J'arrête les carrières, à mon actif j'ai 2-3 cadavres. Rappeurs, producteurs et quelques journalistes. Ça veut dire que s'il y a un combat entre Rof et Booba, Booba gagne. Ah, largement. Si aujourd'hui c'est la Hesse, tout ça c'est à cause de Booba. C'est une dinguerie comment Booba est intemporel. Y'a même pas de débat. Malgré qu'on soit peut-être pas tous de la même génération, on a forcément au moins un de ses sons qui nous a marqué. Moi je suis en 2003, alors forcément j'ai pas connu l'époque de Lunatic, ni la sortie de certains gros classiques comme Pitbull ou Bulbi. Mais j'ai un lointain souvenir de l'impact qu'avait eu Scarface en 2012, ou même 9 de Yveron, DKR, quelques années plus tard. Bref, tout ça pour dire que ça fait des années qu'il est au sommet, et même si aujourd'hui il est un peu plus en retrait, il continue de faire parler de lui, de par les quelques sons qui sortent, mais surtout dû à de nombreux clashs et combats qui mènent. Au fil des années, il a multiplié ses ennemis. Ça passe d'une simple petite provoque en story Insta, et ça peut aller plus loin, hein, carrément se péta IRL, jusqu'à même faire de la prison. Alors aujourd'hui, on revient sur tous les plus gros clashs qu'il a eu. Je vais vous expliquer plus en détail tout ce qui s'est passé. Il y a de quoi dire, c'est parti. Hop hop hop. Je suis désolé, mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, il faut qu'on remonte dans le passé. Autrefois, je galérais. Comme vous le savez, je prends le temps de faire des recherches pour écrire les vidéos, mais j'avais toujours ce même souci. Même en essayant plein de navigateurs, aucun n'était fluide, ça ramait, je perdais beaucoup de temps, et pire que ça, il y avait plein de pubs. Ce qui m'a amené plusieurs fois, c'est vrai, à balancer mon PC par la fenêtre. Mais tout ça, ça a changé depuis que j'ai découvert Opera. Plus rapide, plus sûr et plus intelligent que les navigateurs par défaut, Opera permet de rester dans la confidentialité et sécurise ce que vous faites en ligne. Vous restez privé. En plus de ça, un bloqueur de pub et un VPN gratuit est directement intégré et vous pouvez aussi trouver plusieurs particularités. Par exemple, il y a ces trois articles qui m'intéressent et j'ai envie de les garder de côté sans que ça soit encombrant. Alors je peux directement les classer ensemble. Sur l'interface, tu peux trouver des raccourcis pour gagner du temps. WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, mais également les plateformes de streaming, il y a tout. Depuis peu, Opera a aussi ajouté Aria. C'est une IA intégrée et complètement gratuite. Vous pouvez la trouver au niveau de la barre des tâches. Évidemment, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en surlignant n'importe quel texte sur un site, elle me propose soit de faire un résumé, soit de faire des recherches sur le sujet, ou alors traduire. Encore une fois, c'est vraiment un gain de temps. Plus sérieusement, tout ça c'est vraiment pratique. Et Opera, c'est un navigateur gratuit. Alors vous pouvez trouver le lien directement dans la description. Merci beaucoup à eux, ça soutient la chaîne. Bref, on reprend la vidéo. Avant même que Kaaris devienne son pire ennemi, ses deux vrais rivaux de l'époque, c'était Rof et Lafouine. On remonte en 2001. Rof, Booba et Rimka enregistrent un son ensemble. Problème, le son sortira jamais, vu que Booba demandera une trop grosse avance. Alors à ce moment-là, on parle pas encore de clash, mais rien que ça fait que les deux artistes ne seront pas proches. On aurait pu le faire à la cool entre mecs de la rue, mais c'était plus business quoi. Donc au final, j'ai pas été respecté. C'est une dizaine d'années plus tard que les choses s'enveniment. On est en 2012, Rof a son Planet Rap et s'embrouille avec Fred pour une autre histoire. C'est l'époque où tout le monde réglait ses comptes et dans le feu de l'action, il lâche un petit pic pour Booba. Faut qu'on règle un petit truc, Fred, d'abord. T'as vu, moi je suis pas l'autre zoulette de Booba, moi je vais pas faire des chansons sur toi. Moi tu me dis tout de suite, c'est un souci, c'est direct. Ah non, pas les autres zoulettes là qui font du bruit pour rien là, c'est toi, ça c'est des mythos. Mais t'es un enfant de la rue, c'est tout de suite. Rof. Quelques mois plus tard, Booba sort Wesh Moré. Un son assez piquant, des paroles bien crues. À l'époque, ça avait pas fait l'unanimité, mais lui disait ne viser personne en particulier. Faites des planètes rap, sucez, faites ce que vous voulez. Comme DiCaprio, Titanic, je vais tous vous couler. Pourtant, Rof prendra directement ses paroles à cœur, alors pensant être la cible, il répliquera quelques jours plus tard avec ce son comme réponse. J'ai appris ton son, je l'ai customisé. Tant tout sera game, seul Eli doit sentir visé. Ça fait des années que les deux sont ennemis et souhaitent anéantir la carrière de l'autre, mais là où on passe un vrai step, c'est en 2014. Ok, à ce moment-là, on est en avril. Booba casse tout avec sa marque de sap, Uncut, et ouvre même plusieurs magasins en physique. Rof serait justement rentré dans l'un de ces magasins, aurait entendu que l'un des vendeurs était un proche de Booba et l'aurait alors tabassé à plusieurs. Il partira ensuite en courant, le laissant en chien dans le magasin. Évidemment, tout ça est filmé par les caméras de surveillance. C'est vraiment une action débile. C'était sûr qu'il allait pas s'en sortir sans conséquence. Il sera jugé, prendra 5 mois ferme, puis aura un bracelet pendant quelques mois. On va le retirer sous vos yeux. Bref, pendant un moment, ça a parlé même de vouloir faire un octogone. Mais à part ces histoires, Rof a du mal à continuer à faire parler de lui. D'une part parce que Booba a réellement mis un coup dans sa carrière, mais aussi parce qu'il a pas su faire évoluer sa musique avec le temps. Bref, c'est un mélange de plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il est beaucoup moins écouté. Toujours en 2012, c'est aussi le prime d'un autre rappeur qui s'est plusieurs fois interposé à Booba, Lafouine. En fait, il y a plusieurs phases de ces sons que les gens vont retenir parce qu'on pensait qu'elles étaient visées pour Booba. J'entends ce clash sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée. Tu peux pas répondre. De son côté, Lafouine jouait sûrement de ça, vu qu'il laissera planer le doute sans jamais communiquer là-dessus. Jusqu'au jour où le classique a ses mille en sort, là où Booba décidera de régler ses comptes. Le premier rappeur pointeur, double usible. Si le rap n'était que vous deux, il serait vraiment une grosse putain. En fait, à ce moment-là, il y avait des rumeurs brossant sur Lafouine, d'où la punchline de Booba. Et 4 jours plus tard, Lafouine sortira un son à la fois pour répondre à Booba, mais aussi pour ses accusations. Mon casier judiciaire sur le net résonne.
À part B2O, j'ai violé personne. Faut bien comprendre que pendant des années, les deux stagnent en interview. Ça s'envoie des pics dans les deux sens à chaque occasion. Mais c'est en mars 2013 que les choses dérapent. Les deux se croisent par hasard à Miami et se mettent à se battre. La scène est filmée par des caméras de surveillance et c'est Booba lui-même qui rendra ça public. Aujourd'hui, Booba il est hyper respecté. Tu vois en interview que les rappeurs osent pas forcément parler mal de lui. Moi je rigole pas. Quand tout contesté, il va sauter. Mais 10 ans plus tôt, c'était ça, puissance 1000. Il avait une certaine image qui limite inspirait la peur. Et là, voir deux rappeurs se pétant, tout ça en plus en étant filmé, ça n'existait pas vraiment. Donc ça prend une ampleur de fou. J'avais peut-être genre 10 ans à l'époque, mais je m'en rappelle très bien. Un clash qui va aussi durer pendant plusieurs années. Malgré les immenses singles qu'il avait à l'ancienne, notamment en parallèle avec la Team BS, certains sons sont même ressortis sur TikTok dernièrement. Il a quand même jamais su se relever. On l'écoute beaucoup moins, un peu pour les mêmes raisons que pour Off. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'avant d'être en clash avec tout le monde, Booba il a fait découvrir plein de rappeurs au grand public. Il avait une série de mixtapes qui s'appelait Autopsie, c'est un point important dans sa carrière parce que le but c'était de placer des rappeurs peu connus sur les sons. Ça avait un gros succès et parmi eux on y retrouvait des rappeurs qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Dossé, Shai, Niro, mais celui qui va faire le plus de bruit, c'est Kaaris. Faut se rappeler de la période 2012-2013. Après une apparition sur Autopsie 4, Booba réinvite Kaaris, mais cette fois-ci sur son album perso, Futur. Kaaris posera un couplet qui, on peut le dire, J'ai pas peur, est devenu un classique. 2-5-0, toujours plus haut, la République me suce le tuyau, monsieur l'agent, j't'enfonce le triangle, c'est France, et le gilet plus haut. Évidemment, à ce moment-là, les deux s'entendent encore super bien. L'année d'après, Kaaris balance le Big Or Noir, et le seul feat de l'album, c'était avec Booba. Là aussi, on peut le dire, c'est un projet pilier du rap de ces dernières années. Rien que le clip de Zoho, quand Kaaris tient sa calage dans la voiture, ça avait tourné de partout. Malheureusement, on connaît la suite. Très rapidement, cette embrouille, en fait, elle commence bêtement. Booba avait demandé à Kaaris de prendre parti quand il était en embrouille avec la fouine et Rof, ce qu'il fera, mais il se serait pas assez mouillé selon Booba. Ce qui fait qu'il y a déjà un petit froid entre les deux à ce moment-là. C'est la période où Kaaris avait son Planet Rap, alors il en parlera très rapidement. Les gens qui parlent d'ingratitude ou je sais pas quoi, la seule personne à qui je dois quelque chose, c'est ma mère. Le soir même, Booba fera un montage sur lui. C'est trop bête, tout part de ça. Puis vous avez suivi toutes les stories Insta, les pics dans les sons qui apparaîtront les années d'après, jusqu'au jour où on arrive en août 2018. Les deux avaient un concert prévu au même moment, et pratiquement au même endroit, à Barcelone, ce qui fait qu'ils se croiseront à l'aéroport d'Orly, avec leur équipe. De là, la bagarre éclate. Je reviens pas sur tout, parce qu'on s'en rappelle encore très bien aujourd'hui. Tout est filmé, on apprendra même plus tard qu'ils devaient carrément être dans le même vol. Et pour les dommages qu'ils ont causés, ils prendront 18 mois de sursis et 50 000 balles d'amende. Je pense que c'est l'un des événements qui a fait le plus de dans le rap français. C'est de là que naît cette histoire d'Octogone. Il y avait 10 millions d'euros à la clé. Ils s'étaient même mis corda sur une date, le 30 novembre 2019. Malheureusement, ils réussiront pas à se mettre d'accord sur le contrat, ce qui fait que ça verra jamais le jour. Ce qui prouve la suprématie de B2E dans le game et dans ses clashs, c'est qu'en janvier 2019, Kaaris sortait un nouvel album. Alors Booba décidera de sortir exactement le même jour le single PGP. Et même si c'est pas vraiment comparable, il fera clairement plus de streams. C'est fou de se dire qu'à l'époque où tout le monde disait que Kaaris était trop fort, que c'est là qu'il sortait classique sur classique, bah c'était justement la période où Booba avait la main sur ses sons. Encore aujourd'hui, les gens demandent à Kaaris de refaire du Or Noir, alors que c'était il y a plus de 10 ans. Et là-dessus, c'est pas le seul. Les années passent. Booba sort un album en début d'année 2015 et un second en fin d'année, Nero Nemesis. Pour l'anecdote, il avait sorti le même jour que Jul, que Nekfeu, mais surtout que Rof, exprès pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et encore une fois, les fans étaient bien plus présents du côté de B2O. Nero Nemesis a été un gros succès. Encore aujourd'hui, je l'écoute. Il contient plusieurs hits et pas n'importe lesquels, notamment Pinocchio, qui mettra pour la première fois une grosse lumière sur Damso. Dans la foulée, il signe chez 9 de I, sort Batterie Faible, mais pendant qu'il travaille sur son troisième projet, Lithopédion, les deux artistes s'entendent plus. Booba lui reproche d'en faire qu'à sa tête, ils ont deux visions différentes de la musique. Mélangé à ça, des bails de contrat, Damso sortira quand même son troisième album sous 9DI, vu que le contrat était pour trois projets. Mais après ça, au vu du gros public qu'il a acquéri, il peut se permettre de partir en indé. Toujours dans son délire de loyauté, Booba fait ressortir son côté rancunier en taclant Damso. Je viens d'acheter deux en mai avec l'argent du Pseid. Il s'attaquera même à sa mère, alors qu'elle était malade. Mais à part dans un son storytelling où il raconte sa carrière, Damso répondra jamais vraiment aux attaques de Booba. Et c'est l'un des seuls qui a réussi à garder sa fanbase. Il y en a d'autres par contre, pour qui ça a été plus compliqué. En 2020, Benache quitte 9DI en réclamant de l'argent pour son album et tous les sons qu'il a sortis chez eux. S'en est suivi des insultes entre Booba et lui sur les réseaux. Ça étonne plus personne, on a l'habitude. Depuis, il a sorti quelques sons, mais c'est très peu concret quand on compare avec l'époque où il était épaulé par Booba. C'est encore une preuve que B2O connaît le milieu par cœur. Il sait comment faire monter des têtes, mais il sait aussi faire de l'ombre à ses ennemis. Et tous ces clashs, ses tweets, les stories qu'il peut faire, ça peut juste être drôle ou ridicule d'un point de vue extérieur, mais tout ça, c'est pas un hasard. C'est en laissant aucun répit au rappeur qui continue de faire parler de lui, et surtout qui conserve son image de numéro 1. Jusqu'à présent, c'est surtout focus sur les gens avec qui il était à la base proche, et avec qui il a ensuite eu des embrouilles. Mais vous le savez, Booba, il s'attaque à tout le monde. Un audio de Fianso tourne où on l'entend mal parler de Booba. Booba voudra alors plus le lâcher, jusqu'à carrément, un jour, leak une sextape de Sofiane sur son Instagram. Ce qui fait que le compte
monde va bêtement sauter, mais bon timing, parce que c'est la période où il annonce le dernier album de sa carrière, Ultra. Ce qui fait qu'il va migrer sur Twitter et va se mettre à tacler facilement une nouvelle personne par jour, et même des youtubeurs qui n'ont rien demandé. Squeezie, Mr. V, c'est du divertissement, ça fait rire tout le monde, et c'était surtout bénéf pour lui, vu que grâce à ça, il est resté au cœur de l'actu. Plus tard, il s'attaquera aussi à Nino, l'accusant d'achat de stream, bref, ça tourne en rond assez rapidement, et encore, je vous skip la majorité des embrouilles qui ont généralement mené à rien, mais là où c'est plus intéressant, depuis plus récemment, Booba mène aussi un autre combat, et utilise ses réseaux pour une réelle cause, détruire les influenceurs qui arnaquent. En fait, à la base, ça commence de la mauvaise façon. Booba se met en premier temps à attaquer une influenceuse de télé-réalité, là, Léa Marie. Booba avait posté dans sa story une vidéo de moi qu'il avait reprise, et il avait mis un son à lui en fond, avec une phrase en particulier, donc, qui me concernait, je sais plus quoi exactement. Et son mec en question, c'est Sebi Daddy, j'imagine que vous connaissez. Du coup, il la défendra, et entrera en clash avec Booba. C'est là où Booba fait une erreur. Sebi Daddy, c'est un acteur, et vite fait, comme Nasdaq pourrait le faire, chaque story est scénarisée. Le but étant de créer sa propre télé-réalité directement sur Snap. Et il a rapidement compris que même si Booba était très sérieux de son côté, il pouvait servir de lui pour alimenter son compte et faire encore plus parler. Alors on se retrouve avec des scènes surréalistes où on voit Booba l'insulter premier degré. Tu vois ton mec là ? Ouais. Ouais, ton mec. Moi je m'attaque pas aux femmes, mais ton mec, quand je vais l'attraper, tu lui dis, je vais lui casser toutes ses dents à ce petit fils de p***. Et lui répondre en surjouant comme un débile. Les gars, vous pensez où est-ce que j'habite maintenant ? J'en ai marre, il me hagla ! C'est vrai que ça avait pris une ampleur, enfin vraiment j'étais pas prête quoi. Je m'étais mise en privé sur Instagram, je me souviens j'avais gagné 200 000 abonnés. Donc du coup j'ai décidé de continuer encore et encore. Le problème c'est que les choses avancent pas. Et pendant qu'il prend encore plus de visibilité avec ses histoires, il continue en parallèle, entre deux stories, de faire des vieux placements de produits cagneux, souvent du dropshipping. Le problème c'est que sur Snap, c'est quelque chose d'hyper répandu depuis des années. Et c'est loin d'être le seul influenceur à faire la promo de produits douteux ou faire l'arnaque là au compte CPF. Alors Booba entre en guerre. Il va un par un les afficher publiquement, dénonçant leurs pratiques. Maeva Ghennam, Marc Blatta et notamment Magali Berda, l'agente de la plupart de ces influenceurs là. C'est elle qui est justement un peu à la tête de tout ça. Booba est vraiment en mission, et malheureusement, il y a encore bien plus sombre que ça. Faut qu'on parle de Dylan Thierry. Là encore, c'est un candidat de télé-réalité, et je pense que vous connaissez le personnage. Et lui prétendait depuis quelques temps faire des actions caritatives, humanitaires, sauf qu'il était pas transparent. Il avait soi-disant sa propre association, sa communauté faisait des dons, on parle de là des fois à des centaines de milliers d'euros, c'est une somme, mais on savait pas totalement où allait l'argent des cagnottes. Et pire que ça, Booba leakera des audios dans lesquels on l'entend dire qu'il avait peut-être, comme ça, la possibilité de récupérer des enfants dans les pays auxquels il va pour à la base faire ses actions humanitaires, dans le but de les ramener ici et les faire adopter en échange d'argent. Je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, métisse, peu importe, je vais dire qu'il me le donne. Lui va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe. Alors évidemment, il voulait faire ça en douce. C'est littéralement du trafic. C'est trop une dinguerie. C'est pas tout. Avec ses audios, on apprendra qu'il envisageait aussi d'être Mac sur Mime. En fait, regarde les meufs, ici à Dubaï, la plupart des meufs, c'est des putes. Du coup, en fait, la pute, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Il y a tellement d'autres dossiers sur ce mec, dont beaucoup qui ont été révélés par Booba. Je vous invite de fou à aller voir ces deux vidéos à ce sujet qui ont été faites par le Radier Radier. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, c'est vraiment intéressant, il a fait un taf de fou. Quand Booba clashait certains rappeurs dernièrement sur Twitter, c'était drôle. Mais là, par contre, on parle de vraies dénonciations. Et il est investi, on voit que ça lui tient à cœur. Bref, tout ça pour dire qu'il a quand même pris une plainte par Magali Berda. Mais au moins, les choses avancent. Le gouvernement a mis un sorte de programme de surveillance, ce qui fait que les partenariats sont beaucoup plus encadrés et ça empêche déjà un peu plus ces influenceurs là à vendre de la merde. Et c'est drôle parce que vu que leur business plan a été un peu cassé, ils se rabattent tous sur TikTok, faisant des lives, demandant des dons. Bref, j'ai pas parlé de toutes les embrouilles qu'a pu avoir Booba, notamment avec Maes, j'en parle dans cette vidéo, ou aussi avec Gims, j'en parle dans celle-ci, le mec qui fait sa pub. Mais je crois qu'en tout cas, le plus important est là. Tout ça pour dire que c'est impressionnant comment B2O continue de s'imposer en tant que numéro 1, que malgré les différentes attaques, la plupart des rappeurs osent pas lui répondre. Et même si aujourd'hui, il a pris sa retraite, il a plusieurs nouveaux artistes dans son label à qui il a donné beaucoup de force, qui tournent de partout et qui ont encore de belles années devant eux. Tout ça pour dire qu'il a toujours un gros impact dans ce milieu et que c'est pas prêt de bouger. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Je vous jure, ça aide de fou la chaîne. Et merci à Opéra d'avoir sponsorisé la vidéo. Le lien est en description. Et on se revoit très bientôt. Ciao. Comme Dr. Lulu. Handicap comme Dr. Lulu. Clairvoyance comme Dr. Lulu. Mais